Voilà où ça s'est passé le vol. On est arrivé le matin, plus rien du tout, c'était céleri complètement vide. Les centres équestres de l'Ouest lyonnais visés par des vols de selles. Depuis mi-avril, 5 centres ont reçu la visite de malfaiteurs. Les selles d'équitation, dont les prix peuvent aller jusqu'à 3000 euros, sont à chaque fois ciblées. On n'a pas d'idée pour l'instant de qui ça peut être, de pourquoi. Pourquoi autant de quantité? Pour la France, on pense vraiment que non. On ne voit pas comment ça peut être maintenant remis sur le marché en France. On pense vraiment sur un marché parallèle, sûrement à l'étranger ou quelque chose comme ça. Chez les frères Massa, installés à Bourles depuis 7 ans, les voleurs sont venus dans la nuit du 30 au 31 mai. 29 selles ont été dérobées pour une valeur de 25 000 euros. Ça va nous faire un manque à gagner à peu près entre 15 et 20 000 euros pour cette année, ce qui est énorme pour nous. Alors, petite délinquance ou bande organisée, la gendarmerie n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'écurie Massa, elle, a bien dû se rééquiper en selles pour sa soixantaine de chevaux. Coût de l'investissement 14 000 euros, alors que l'assurance n'a remboursé que 5 000 des 25 000 euros de pertes.